Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Tout comme cette veuve a dû manifester sa foi pour obtenir sa victoire, aujourd'hui, la même chose doit être faite par tous ceux qui désirent obtenir gain de cause. La foi est l'ultime instance. Quelles sont les injustices auxquelles vous faites actuellement face ? Jusqu'à quand allez-vous supporter cette situation ? Clamez à Dieu pour obtenir la justice divine. Si votre cause est considérée comme impossible à résoudre, participez à ce propos de foi et obtenez la réponse du juste juge. Dimanche 14 octobre, le dimanche de la justice, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11.